Le Mistral, ce nom qui pour les gens du Nord évoque quelques galéjades méridionales et qui pour les gens du Midi est une profonde réalité, ce vent de tempête qui souffle du Nord dans la vallée du Rhône s'étale dans les plaines de la Camargue et de Provence et déferle pour enfin se perdre en Méditerranée. Le Mistral, c'est aussi depuis quelques années le nom prestigieux d'un train drapeau, le train le plus rapide du monde sur un aussi long parcours qui porte au loin la renommée du rail français. Nous allons, si vous le voulez bien, l'accompagner de Paris à la Côte d'Azur, en évoquant pour une fois, tout au long du trajet, au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera, les plus récents perfectionnements des chemins de fer français qui les ont portés au premier rang de la technique mondiale. Paris, gare de Lyon. L'ambiance classique est toujours nouvelle des départs. Buffets, journaux, porteurs, et le train qui attend, nous invitant au voyage. Sur voie 11, train rapide, 1, le Mistral, départ 13h. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage. Attention au départ. C'est l'heure, sans bruit. En souplesse, la CC 7104, forte de ses 4000 chevaux, démarre les 700 tonnes de son train. Traction électrique. Par le simple contact des pantographes sur la caténaire, toute l'énergie nécessaire est transmise aux organes de la locomotive. Mais cette énergie vient de très loin et nous voici tout à coup transportés en pensée jusqu'au lieu où elle prend naissance. Dans les hautes vallées des Pyrénées, du Massif central et des Alpes, ou sur le cours assagi du Rhône, des barrages ont été installés pour accumuler des réserves hydrauliques. Sous la puissance de l'eau, les turbines entraînent les alternateurs producteurs de courant. Dans d'autres régions de France, ce sont des usines thermiques qui brûlent du charbon de qualité médiocre. Le courant produit par les centrales est lancé à travers l'espace sous 150 ou 220 000 volts sur les grandes artères à haute tension qui sillonnent le pays. Abaissé à 60 000 volts alternatifs, il se trouve diffusé jusqu'aux sous-stations du chemin de fer qui les transforme en courant continu à 1500 volts pour être envoyé dans la caténaire. Si robustes soient-elles, les locomotives électriques sont soumises de temps à autre à des révisions générales assez espacées, il est vrai. C'est ainsi que la CC7147 a pu, sans révision, réaliser l'étonnante performance de parcourir en un mois plus de 60 000 km en roulant sans interruption à raison de 2000 km par jour. Pendant que nous...